Donc bonjour à tout le monde, à tous ceux qui sont déjà présents et puis ceux qui vont sûrement nous rejoindre. Et puis aussi à ceux qui pourront regarder donc, le replay, hein, puisque comme on vous l'a annoncé, voilà, tout ce qu'on va se dire, ce temps qu'on va passer ensemble, il sera accessible après sur la chaîne de Johanna pour ceux qui n'ont pas pu être là maintenant. Donc avant de démarrer, je vais nous présenter brièvement. Donc, je suis Gwenaëlle Percio. Je suis Johanna Micou. Et donc, nous sommes toutes les deux psychologues, hein, on est psychologues cliniciennes de formation. On s'intéresse et on se spécialise depuis pas mal d'années maintenant sur un domaine particulier qui est la prise en charge du traumatisme psychologique et c'est à ce titre-là qu'on intervient aujourd'hui. Alors, juste quelques mots pour que vous nous connaissiez un petit peu. Donc, on exerce toutes les deux en cabinet libéral près de Lyon. On est aussi formatrice, on intervient donc surtout auprès des professionnels de la relation d'aide et on a d'ailleurs créé un organisme de formation ensemble il y a 3 ans. Et puis enfin, on travaille en institution, donc moi je travaille au CHU de Saint-Étienne en psychiatrie et toi Johanna, tu as arrêté récemment mais tu as travaillé une dizaine d'années hein, en protection de l'enfance. Donc, du fait de ces pratiques, grâce à ces pratiques, plutôt ces expériences, hein, on vient aujourd'hui vous partager ce qu'on observe de ce qui se passe depuis maintenant 6 mois, avec une vision à la fois de la population générale, on va dire, notamment en cabinet, puis ce qu'on peut aussi analyser de ce qui se passe dans la société, et puis aussi auprès des personnes un peu plus vulnérables de par nos expériences institutionnelles. Donc, vous avez peut-être remarqué que depuis le début, hein, depuis 6 mois, on n'a pas vu tant que ça des psychologues intervenir sur ce sujet-là. Alors, sur les plateaux télé, il ne me semble pas du tout. Et sur les autres médias, notamment les réseaux sociaux, assez peu, à ma connaissance en tout cas. Donc, je pense que ce n'est pas forcément quelque chose à déplorer. C'est plutôt signe, en fait, d'un besoin de réflexion et de prise de recul de la part de nos confrères et nos consoeurs. Qui est tout à fait sain. On pourrait dire que les psys sont un peu loin à la détente. Je pense que surtout quand on observe la psychologie et tout ce qui s'y passe hein, au niveau psychique, intra-psychique et interpsychique, il faut un peu de temps. Sinon, on risque de faire des analyses à chaud qui peuvent être fausses, voire même dangereuses. Donc là, maintenant, ça fait 6 mois. On a observé pas mal de choses, on s'est beaucoup documenté et on avait vraiment très envie de commencer à partager cette analyse qu'on fait déjà depuis un bout de temps avec Johanna, pour que vous puissiez mieux comprendre aussi vous, avoir aussi vous davantage de recul et ainsi mieux vivre et mieux traverser cette période qui est difficile. Alors peut-être juste un mot aussi pour dire que nous ne sommes pas là pour rentrer dans quelconque polémique ou donner un point de vue qui serait personnel. Je crois que ce qui est important dans ce qu'on vit, c'est de respecter le point de vue de chacun. Donc, on ne va pas rentrer dans ce genre de considération. Nous, ce qu'on veut vraiment partager avec vous, c'est le sens qu'on met à la situation qu'on vit, hein, d'essayer de mettre du sens, de mettre plus de compréhension pour que finalement chacun puisse ensuite agir ou réagir selon ce qui lui semble le plus juste et surtout en conscience. C'est vraiment l'objet de notre propos aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de nos confrères et consoeurs psychologues qui sont peut-être en train de visionner la vidéo. Donc, tout à l'heure, on aura peut-être l'occasion aussi d'échanger avec leur point de vue, mais aussi c'est vraiment un webinaire qui s'adresse à tout le monde, hein. Ce n'est pas du tout un webinaire destiné uniquement aux professionnels. Donc voilà, tous vos feedbacks seront les bienvenus tout à l'heure. Donc, on va procéder en 2 temps. On va d'abord pas mal parler l'une après l'autre sur 3 grandes parties que je vais vous exposer après. Et puis après, on aura un temps de questions-réponses. Donc, on vous invite, si vous avez des questions qui vous viennent, des commentaires hein, pendant nos propos, de les écrire sur le chat et puis on prendra le temps d'y répondre ensuite. Excuse-moi. Juste peut-être un mot parce que en ce moment, on est mois de septembre, rentrée des classes. C'est une préoccupation de beaucoup de parents, beaucoup d'enseignants, de ce que vivent les enfants. Donc, ce qu'on va aborder aujourd'hui avec vous, ce n'est pas forcément en lien avec l'école à proprement parler, même si on va pouvoir faire des ponts. Mais je vais proposer samedi prochain à 10h. Pareil, selon le même format, un webinaire spécialement autour de la question liée à la scolarité, à l'école, et proposant des pistes de réflexion pour mieux vivre cette situation qu'on est en train de vivre tous ensemble. Voilà.
Donc, on a préparé un exposé en trois grandes parties. La première partie va constituer à voir ensemble quels sont les facteurs de stress. Ça va être une liste pas toujours très réjouissante, mais importante pour qu'on comprenne qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas bien, voire parfois vraiment pas bien. Donc, moi, je vais prendre un temps pour vous expliquer ça. Ensuite, Johanna vous expliquera ce qui se passe au niveau plutôt intrapsychique, c'est-à-dire au niveau individuel, notamment au niveau du cerveau. Qu'est-ce qui fait que pour beaucoup de personnes, il y a du stress? Et qu'est-ce qui se passe au niveau de notre corps quand on vit un stress? On parlera notamment de la dissociation, qui est quelque chose de très important à comprendre. Et puis, on terminera toutes les deux sur les grandes pistes pour traverser ça et aller mieux. Voilà, qui sont des suggestions, des idées, des partages aussi d'expériences personnelles. Voilà. Donc, je vais démarrer en reprenant un petit peu tout ce qui fait que ce qu'on vit depuis 6 mois, c'est loin d'être anodin, évidemment, et que ça a un impact au niveau psychologique pour beaucoup d'entre nous. Donc, tout a commencé par un choc. Je pense que c'est bien de rappeler ça. On s'en souvient tous, mi-mars, on est confiné du jour au lendemain. On bascule dans une autre réalité, au niveau de beaucoup de choses. On ne peut plus aller travailler, les enfants ne vont plus à l'école, on ne peut plus aller voir ses parents, on ne peut plus aller embrasser ses grands-parents, on ne peut plus faire du sport comme on faisait avant, il y a beaucoup de restrictions, etc. Je ne m'étale pas là-dessus, tout le monde s'en souvient. Mais je rappelle, ça a commencé quand même par ça. Et puis très vite, on a été touché dans deux de nos peurs existentielles, que sont la peur de la maladie et de la mort, et puis aussi la peur de la perte de liberté. Donc ça fait partie des grandes peurs existentielles que nous partageons tous, les êtres humains, à partir du moment où nous sommes dotés de conscience et de réflexion. Il y a des enjeux existentiels, et ces deux-là en font partie. Donc tout de suite, on a été notamment, le plus important, ça a été bien sûr la peur de la maladie, la dégradation physique et évidemment de la mort. Avec un ennemi quand même très particulier, un ennemi invisible, ce fameux virus, qui n'avait pas de traitement au début, et puis surtout qui pouvait m'être transmis par absolument n'importe qui. Ça, c'était quand même assez inédit, que ça soit un voisin, un collègue, mais aussi un proche, un mari, un enfant, un parent, pouvait me transmettre cet ennemi invisible. Donc, tout d'un coup, l'autre est un ennemi potentiel pour moi. Et ça, moi, personnellement, je l'ai vu de manière très manifeste, puisque dès le début du confinement, avec des collègues psychologues, nous sommes intervenus dans des services de Covid au CHU de Saint-Étienne, auprès des soignants qui étaient évidemment mis à mal par la situation. Et c'est quelque chose qui est beaucoup remonté chez pas mal de nos collègues infirmiers, c'est cette peur de contaminer sa famille quand on rentre du boulot le soir. Et aussi, l'autre angle, c'était de la part de la famille d'être contaminée par le mari, la femme, ou la maman, ou le papa. Donc ça, c'est quelque chose qui était très fort et dès le départ, qui est moins fort aujourd'hui, mais qui reste quand même bien présent, et qui est source évidemment d'anxiété. Ce qui explique que tout ça génère de l'anxiété et de la peur, c'est qu'on vit aussi dans une société qui est thanatophobe, c'est-à-dire qui a peur de la mort, et qui est aussi dans une politique un peu du zéro risque et du tout contrôle. Donc ça, c'est assez nouveau au niveau sociétal, ça date, ceux qui observent ça, ils le datent d'à peu près 2 générations, ça fait à peu près donc 40 ans, que progressivement, on a mis tout ce qui est en lien avec la dégradation physique et psychique de côté. On a mis les vieux dans les EHPAD, on ne veille plus les morts, on a parfois du mal à aller voir quelqu'un qui est très malade dans un service hospitalier, etc. Comme si la mort n'existait plus, ne faisait plus partie de la vie. Donc ça aussi, dès le départ, a accru l'angoisse, et je trouve que c'est encore extrêmement fort. Par exemple, c'est anecdotique, mais ce fameux R0, cet indicateur qui est lié à la vitesse de contamination du virus, si je ne dis pas de bêtises, c'est symboliquement très fort, R0 comme un peu risque zéro, comme si il fallait absolument tout contrôler. Et tout cela dans un climat de battage médiatique comme on a rarement vu. Moi, de mes 43 ans, je pense que je n'ai jamais vu un seul monosujet comme ça au niveau médiatique, on n'entend parler que de ça.
Et avec aussi, bien sûr, la force des images qu'on connaît. On avait déjà connu, du 11 septembre 2001, la force de ces images qu'on a tous encore en tête. Et là, ce qui défile depuis 6 mois, c'est des images du même type, des soignants qui sont en cosmonaute dans les services de réa, des témoignages de patients éprouvés, etc. Donc, on est bazardé de manière permanente d'images et puis aussi de mots. Le vocable qui est utilisé depuis le départ est très mortifère également. Tout de suite, Macron a parlé d'état de guerre. Et puis, qu'est-ce qu'on a entendu depuis ? État d'urgence, contamination, nombre de morts, nombre d'hospitalisations, etc. Et encore aujourd'hui, ça continue. On parle encore de zones rouges, départements rouges. Bon, on omet de dire aussi que ce n'est plus les mêmes critères. On parle aussi de nombre de cas positifs, en ne disant pas non plus que la plupart des patients Covid positifs sont asymptomatiques, ne sont pas malades. Donc, il y a quelque chose quand même qui est toujours aujourd'hui, 6 mois après, beaucoup autour de ce thème très mortifère. Également, on est dans une société aujourd'hui où les informations sont immédiates. Avec Internet et notamment les réseaux sociaux, on est devant un phénomène aussi qui accroît tout ça. Alors, Internet, c'est un peu comme beaucoup de progrès techniques, c'est un peu pour le meilleur et pour le pire. Le bon côté d'Internet, c'est qu'on a accès à des informations qu'on n'aurait pas si on regardait que TF1 et BFM, et notamment des médias indépendants. Donc ça, c'est le bon côté. Le mauvais côté, c'est que déferle aussi sur les réseaux sociaux un grand nombre d'informations qui peuvent être partiellement fausses. On a beaucoup parlé des fake news au début. Et même si elles ne sont pas fausses, elles sont souvent choquantes. Et elles vont plutôt être dans une immédiateté, dans quelque chose qu'on reçoit passivement et qu'on va repartager en 2 clics et qui va faire cet effet boule de neige qu'on connaît bien, qui au final va toucher beaucoup de gens au niveau émotionnel. Donc ce battage médiatique, cette immédiateté des informations, produit un effet de contagion émotionnelle important. Là, je lisais même l'article d'une collègue psychologue la semaine dernière qui parlait de contagion délirante paranoïaque. Alors, les mots peuvent paraître un peu forts, mais quand on sait ce que ça veut dire, je pense que c'est assez juste, notamment quand on voit, on a vu des scènes, je pense que chacun a des scènes sur des lieux publics où les gens s'engueulent, notamment en ce moment, c'est beaucoup autour du masque. Donc on voit qu'il y a là quelque chose qui déborde en fait les capacités psychiques des gens avec un niveau de stress inhabituel et qui les fait péter des câbles. Ils leur font péter des câbles plutôt. Donc, c'est impossible d'y échapper, même si on vous éteignait la télé, la radio, de toute manière, les gens en parlent. Donc, il y a quelque chose qui, de toute manière, va vous toucher à un moment ou à un autre. Ce qui est aussi très touchant et éprouvant, c'est que les messages qui sont bombardés sont souvent des messages paradoxaux. On entend beaucoup depuis 6 mois une chose et son contraire. Et ça, c'est particulièrement vrai dans les mesures qu'on nous a soumis, qu'on nous soumet depuis 6 mois, auxquels on ne comprend plus grand-chose. Le meilleur exemple que tout le monde a en tête, c'est les masques. Il y a 6 mois, il ne fallait pas en porter, ça ne servait à rien. Et maintenant, il faut absolument les mettre sous peine d'amende et surtout sous peine d'être taxé d'inconscient. Et autre mesure là, que je notais il y a quelques jours, quand le Premier ministre nous annonce que la quarantaine passe de 14 à 7 jours, c'est plutôt une bonne nouvelle, a priori, ça veut dire que la situation s'améliore. Et en même temps, il nous enjoint à encore plus de prudence, de respect des gestes barrières, il nous dit que ça va encore durer des mois, etc. Donc, au milieu de tout ça, le commun des mortels, tout le monde en fait, la plupart des gens, sauf si on commence à s'informer de près, on n'y comprend plus rien, ça crée de la confusion mentale, ça crée du stress, et ça crée aussi les phénomènes de dissociation que vous expliquera Johanna tout à l'heure. Ces messages paradoxaux, ça crée aussi une perte de confiance dans nos figures d'autorité traditionnelles, notamment auprès du gouvernement. Les sondages montrent qu'aujourd'hui, il y a à peu près 40% seulement des Français qui font confiance au gouvernement pour traiter la crise. Donc, c'est quand même très peu. Et puis, vous avez aussi une perte de confiance, qui personnellement m'inquiète un peu plus, envers le corps médical. Et à juste titre, puisque quand vous regardez ce qui se passe, il y a des médecins qui disent noir, il y a des médecins qui disent blanc, et là aussi, on n'y comprend plus rien. Et ce qui est difficile pour nous, c'est que dans des situations où nous n'avons pas les connaissances, on a besoin de références rassurantes pour s'appuyer, en fait.
pour comprendre ce qui se passe, pour y mettre un peu de cohérence. Et là, en ce moment, devant cette déferlante d'incohérence, on est encore plus à nouveau stressé ou en tout cas inquiet. Ce qui fait que c'est difficile, c'est aussi la variable du temps. Hein, ça fait quand même 6 mois que ça dure, avec des conséquences à moyen et long terme, et notamment économiques. Hein, on sait, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais on sait que cette crise, le confinement et tout ce qui s'ensuit depuis, a des conséquences sur beaucoup de gens, les petites entreprises, les artisans, les restaurateurs, le monde du spectacle, et j'en passe. Et ça, c'est un impact au niveau psychologique. Parce que l'être humain, dans ses besoins primaires, il a cette nécessité de sentir que son environnement immédiat, hein, comme moi, ma maison là, dans laquelle je suis, hein, j'ai besoin de sentir que je pourrais toujours l'avoir dans les mois et dans les années à venir. Hein, que je peux être tranquille sur le fait que je pourrais continuer à payer mes factures, nourrir mes enfants, etc. Et aujourd'hui, il y a quand même un nombre important de gens qui sont touchés au niveau économique et donc fragilisés au niveau du stress. Ce qui fragilise également, c'est que nous avons peu, voire pas de marge de manœuvre. On est dans une situation depuis 6 mois qui nous met dans un certain degré d'impuissance, un certain degré de passivité, où on subit beaucoup de choses. On a beaucoup subi, notamment pendant le confinement, on avait des allocutions du gouvernement très fréquentes, et à chaque fois on apprenait quelque chose de nouveau qui souvent était mis à exécution à peine 24 heures plus tard. Donc il y a quelque chose comme ça aussi, hein, depuis 6 mois, de voilà, qu'est-ce qui va encore arriver. Et ça, on verra que notamment dans les pistes pour aller mieux, va falloir à un moment retrouver un peu un pouvoir d'agir, parce que ne pas agir, c'est rester d'une certaine manière figé, et donc c'est être sujet encore plus au stress. Ensuite, on observe beaucoup une polarisation des avis et des opinions. Hein, au sujet du Covid, vous avez un manque de nuances, hein, comme on a rarement, hein, ce qui est quand même souvent le cas quand il y a des sujets qui sont quand même enflammés, sauf que là, ça fait quand même à nouveau 6 mois que c'est là, et avec plutôt une tendance à l'accroissement de la polarisation. C'est-à-dire qu'il y a une grande masse quand même, hein, de gens qui sont plutôt dans l'observation, qui n'ont pas forcément des avis tranchés, mais vous avez quand même, hein, deux grands groupes de personnes, on va dire, qui ont des opinions qui sont diamétralement opposées. Et ça génère beaucoup de clivages, hein, pas seulement au niveau des médecins, hein, je l'ai dit tout à l'heure, ça se voit très clairement dans les médias. Mais ce clivage, il se ressent aussi, et je suis sûre que vous le ressentez, dans nos relations proches, hein, que ça soit en famille parfois, hein, entre amis, entre voisins, au boulot. Hein, il y a, au pire, on s'engueule. Hein, au mieux, on retient ce qu'on a à dire, hein, pour se conformer un petit peu et surtout éviter d'être jugé. Donc ça, la peur d'être jugé, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé, et Johanna aussi, tu me le disais, parmi les gens qu'on accompagne, et ce, autant chez les personnes qui ont un avis que l'autre, en fait. Hein, il y a des patients qui nous disent clairement qu'ils sont très angoissés par le virus, qui ont peur d'être malades, et qui, face à d'autres personnes qui parlent plutôt de manipulation, de fin d'épidémie, ils se sentent en difficulté, puisqu'ils n'osent pas dire qu'eux, ils ont peur. Hein, ils ont peur, du coup, d'être taxés, d'angoisser, de manipuler, etc. Et ça, ça touche quand même un certain nombre de personnes. Moi, personnellement, ça me touche aussi. J'ai un avis que je forge au long des mois, mais que je n'ose pas toujours partager, dans certains milieux, au travail notamment, parce que j'ai aussi, moi, la peur d'être jugée, la peur d'être presque mis à l'écart d'un groupe. Et on sait que ça, être dans le groupe, c'est là ce qu'on appelle l'appartenance sociale, c'est un besoin primaire de l'individu. Là aussi, on est mis à mal là-dessus. Donc, globalement, climat de méfiance, d'agressivité, de tension, même dans les relations les plus proches. Et globalement, si on devait résumer en fait, l'ambiance générale, je dirais que c'est l'incertitude et l'imprévisibilité qui règnent. Hein, on a une visibilité à très court terme. Personne ne sait ce qui va se passer dans les mois à venir, hein, encore moins dans les années à venir. On est bouleversé sur notre vision du monde,
notre vision du futur. Et cela a deux niveaux, selon moi. Le premier niveau, c'est le niveau qui touche, je pense, tout le monde ou presque, c'est la peur pour soi et pour sa famille. Donc la peur pour la sécurité économique, financière, la peur pour la santé, bien sûr, la peur pour l'éducation des enfants aussi, hein. Johanna l'expliquera plus la semaine prochaine, mais ça c'est aussi un enjeu. Donc il y a quelque chose qui est dans l'incertitude, là pour moi et ma famille, là maintenant, dans les mois à venir. Et puis vous avez un deuxième niveau d'incertitude qui ne touche pas tout le monde, mais un certain nombre de personnes, qui est un petit peu plus profond, qui est en lien avec une prise de conscience de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, et notamment de tous les enjeux politico-économiques et d'ego, de pouvoir qui se jouent très vraisemblablement derrière tout ça. Et ça, prendre conscience de tout ça, c'est extrêmement aussi difficile. Hein. Ça, j'en fais de l'expérience depuis des mois. Au départ, je ne voulais pas creuser tout ça, c'était trop difficile pour moi, je préférais travailler à fond, c'est ma défense habituelle. Et puis petit à petit, j'ai commencé à creuser les informations diverses et j'ai eu des moments d'insomnie quand même, et j'en ai encore d'ailleurs, puisque là, il y a une peur plus profonde sur quel est l'avenir pour le collectif, pour la société, pour nos enfants. Hein, quand on est parent, je pense qu'on est encore plus touché. Et ça, c'est compliqué. Hein, donc on verra ensemble les pistes, on partagera un peu ce que nous, on fait pour dormir la nuit. Voilà, donc avant de passer la parole à Johanna, je vais finir quand même par une bonne nouvelle, hein, parce que tout ça peut paraître assez sombre, et l'idée, c'est pas de plomber encore plus. La bonne nouvelle que j'avais envie de vous partager, c'est que tout ce qu'on vit, c'est pas traumatique, c'est traumatogène. Alors, hein, on va dire peut-être que je joue sur les mots, mais les mots sont très importants, hein, ça permet de définir et de parler avec justesse de la réalité. Et je pense que c'est notre boulot de psycho d'être le plus juste possible dans les mots. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas et nous ne serons pas traumatisés par cette crise Covid. Pourquoi ? Parce que les études en psychologie ont montré qu'il y a à peu près 50% des gens, c'est un peu plus chez les enfants, c'est 60%, qui ont une base psychique suffisamment solide, qu'on appelle un attachement sécure, pour traverser l'adversité de la vie. Et ce, depuis tout temps, ça comprend même des événements dramatiques comme la Seconde Guerre mondiale, ou des situations de guerre. Donc, 50% à peu près, un peu plus si on regarde chez les enfants, on est brassé, on n'est pas forcément bien, mais on ne va pas avoir des troubles psychiques, forcément. Mais il y a quand même, forcément, vous l'avez déduit, une bonne partie de la population qui est plus vulnérable. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir 50% de traumatisés, c'est pas ça que je veux dire, mais ça veut dire que la situation est dite traumatogène, c'est-à-dire qu'elle peut faire traumatisme pour notamment une bonne partie de la population qui est plus vulnérable. Qui est plus vulnérable au stress, qui peut plus facilement sortir de sa fenêtre de tolérance émotionnelle, Johanna va vous l'expliquer après. Et ces gens-là, nous, c'est ceux qu'on voit au cabinet, hein. C'est moi en psychiatrie beaucoup. Donc, c'est des gens qui étaient déjà anxieux, qui le sont encore plus, qui étaient déprimés, qui le sont encore plus. Moi, je vois des psychotiques qui délirent encore plus, je vois des patients borderline qui pètent des câbles, qui font des passages à l'acte encore plus, etc. Et puis, on voit aussi des gens qui allaient plutôt bien avant, qu'on ne voyait pas forcément en consultation et qui viennent nous voir parce qu'à un moment, leurs capacités psychiques sont excédées. Voilà. Et puis aussi, attention aux facteurs temps. On sait que ça intervient beaucoup sur la gestion du stress. Hein. On peut vivre des grands stress, ce qu'on appelle des stress aigus. Par contre, quand ça se chronicise, ça devient de plus en plus compliqué. Voilà, donc je passe la parole à Johanna qui maintenant va vous faire un retour plus sur ce qui se passe au niveau individuel à l'intérieur de chacun d'entre nous. Ok, merci Gwenaëlle d'avoir posé ce décor qui permet de bien situer la situation qu'on vit avec les mots d'or, tu en parlais, hein, sur l'incertitude et l'imprévisibilité. Le point commun entre ces deux caractéristiques et le stress. Et moi, je vais vous parler vraiment du stress, de l'impact du stress. Je vais vous expliquer ce qui se passe à l'intérieur de nos cerveaux, à l'intérieur de nos corps, au niveau de nos émotions et de nos comportements quand nous vivons dans une situation stressante, ce qui est le cas depuis 6 mois. Et je commencerai peut-être par dire que nous avons tous des réactions différentes, certes, mais qui sont des réactions complètement normales par rapport à l'événement anormal que nous sommes en train de traverser.
C'était pas prévu, cette histoire du Covid. C'était pas anticipé. En tout cas, voilà, ça nous tombe dessus. On doit s'adapter, on doit faire avec. Mais du coup, ça génère du stress. Alors, je vais, pour une psychologue, surtout mettre pour le moment le côté psychologique de côté pour qu'on vienne au niveau physiologique, au niveau de notre corps, au niveau de ce qui se passe, pardon, à l'intérieur de nous quand on est sous stress. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours de neurosciences, hein, je sais pas du tout j'ai pas cette expertise-là, mais je vais vous expliquer ce que je sais, ce que j'explique aux personnes que je reçois, parce que c'est important de mettre du sens sur ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Parfois, et j'imagine que vous l'avez peut-être tous à des niveaux différents expérimenté depuis ces derniers mois, moi la première, on peut se sentir agacé, on peut se sentir triste, on peut sentir qu'on a des anxiétés, on peut avoir des difficultés pour dormir, voilà, comme on a partagé avec Gwenaëlle de nombreuses nuits. On peut se réfugier dans le travail, on peut être moins patient avec nos enfants. Voilà, le stress génère toutes ces sensations, ces émotions, et c'est bien normal au vu de la situation. En soi, le stress, c'est pas du tout négatif, hein. On va lui rendre quand même son honneur au stress, hein. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'on est là aujourd'hui, hein. Il nous a permis de survivre aux dinosaures, etc., hein, plein de choses. Donc le stress est très positif. Le stress, c'est une réaction biologique d'adaptation. Grâce au stress, nous réagissons en situation de danger, en situation imprévisible, hein, pour survivre tout simplement. Si vous vous baladez au milieu d'un champ ou au bord d'une route et que soudainement vous entendez un bruit et que vous vous jetez sur le bas-côté, vous poussez enfant et mari, et que vous venez d'échapper à une voiture, hein, qui roulait trop vite, et ben, grâce à ces réactions biologiques, instinctives, hein, du stress, vous avez sauvé votre peau et celle de vos proches. Bien évidemment, dans des situations comme ça, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps d'analyser, tiens, il y a une voiture qui arrive un peu vite, etc. Ce sont des réactions automatiques et biologiques. Ces réactions de survie, on les doit à une toute petite structure qui s'appelle l'amygdale cérébrale. Donc, c'est une toute petite structure de la forme d'une amande qui se situe au centre de notre cerveau, dans notre cerveau limbique, ce qui est notre cerveau émotionnel. Voyez l'amygdale cérébrale comme une alarme de stress. En gros, dès qu'on vit une situation stressante, notre amygdale cérébrale s'allume et va nous permettre, grâce à un déferlement d'hormones de stress, qui sont le cortisol et l'adrénaline, ben c'est grâce à ces hormones de stress que je vais pouvoir réagir, hein, que je vais pouvoir me jeter sur le bas-côté, pousser mes enfants ou m'enfuir, hein. Donc les deux réactions principales quand on vit une situation de stress sont la fuite ou l'attaque, le combat. Okay? Donc ce sont des réactions tout à fait normales pour faire face à une situation de stress. Alors, c'est sûr que se jeter sur le bas-côté ou combattre ou fuir ou réagir, ce n'est pas forcément des réactions qui sont agréables, mais au moins, tout le stress que j'ai emmagasiné dans la situation, grâce au mouvement de mon corps, je vais pouvoir l'évacuer d'une certaine manière, le libérer. Hein. Ça, c'est vraiment une caractéristique biologique que nous avons en commun avec les animaux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des animaux se faire courser par un prédateur, en tout cas échapper à un prédateur au niveau du stress, enfin, une situation qui les a stressés. Donc, s'ils ont fui ou combattu le prédateur, après l'attaque, les animaux, s'ils ont sauvé leur peau, évidemment, vont trembler. En fait, donc les tremblements permettent, hein, grâce à ce mouvement automatique, de libérer tout le stress accumulé pendant la situation. Sauf que dans ce qu'on vit actuellement, il y a un problème de taille. Et Gwenaëlle vous en a parlé au début de ce webinaire. C'est la situation anormale qu'on vit. C'est la situation d'incertitude, d'imprévisibilité et de peur que ça génère, hein. Si nous ne pouvons pas fuir, ni combattre, hein, ni réagir, pourquoi? Parce qu'on a peur de l'avenir, on a peur de perdre notre boulot, on a peur pour la santé de nos proches. Des phrases comme, et ce que j'entends, hein, quotidiennement dans mon travail, à quoi bon? De toute façon, tout est décidé, moi je ne peux rien faire à mon petit niveau, on est obligé de faire telle ou telle chose. Si nous sommes du coup dans cette impossibilité d'agir, de réagir, il va y avoir une troisième réaction au stress qui est la sidération, le figement.
Si je ne peux ni agir ni fuir une situation, si je n'ai pas le choix, biologiquement, nous allons nous figer, nous sidérer. On ne peut plus rien faire. Sauf que le problème, c'est que comme la situation est toujours en cours, le stress est toujours ambiant, mon amygdale, ma fameuse alarme de stress, est toujours en train de m'envoyer des hormones de stress dans mon corps. Comme je suis sidérée, figée, je n'arrive pas à réagir, à un moment donné, le stress, et ça, je pense que je ne vais rien vous apprendre, le stress est très mauvais pour le corps et pour le cerveau et pour le cœur, hein, et pour le système immunitaire. Mmh. En gros, le stress à haute dose, bien sûr. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était extrêmement important, mais ponctuellement, hein, d'avoir des réactions grâce au stress de survie. Mais à haute dose, quand ça devient chronique, ces hormones de stress peuvent, il peut avoir des atteintes au niveau de notre cœur, au niveau de notre cerveau, au niveau de notre système immunitaire, qui va affaiblir effectivement l'ensemble de notre corps. Donc, comme la situation est toujours en cours, que peut-être nombre d'entre nous, on se sent un peu dans une incapacité de réagir ou une impuissance et un peu dans une forme de sidération, et bien, ce qui va se passer, c'est que pour stopper de manière urgente la production de stress, hein, hormones de cortisol et d'adrénaline, le cerveau va envoyer comme une commande d'urgence maximale qui s'appelle la dissociation. La dissociation, c'est une réaction d'urgence que notre cerveau envoie pour stopper la production de stress. Prenez l'image un peu comme d'un disjoncteur de maison. Si vous avez trop d'appareils électriques branchés en même temps, donc sous-entendu, s'il y a trop de stress qui arrive en même temps et si ça dure trop longtemps, le disjoncteur de votre maison va faire son travail, va disjoncter, et du coup, vous n'aurez plus de courant chez vous. Hein. C'est exactement le même principe qui se passe dans notre cerveau. À forte dose de stress, surtout quand ça devient chronique, quand ça dure, quand on a peu d'espace de récupération, quand on a peu la possibilité d'évacuer tout ce stress, et bien à un moment donné, notre cerveau il va comme disjoncter, il va bugger, et c'est ce qu'on appelle la dissociation. Alors, quand je me dissocie, et ça, je vais vous prendre des exemples, je pense que ça peut peut-être vous parler. Quand je suis dissociée, je suis comme coupée de moi-même. Je suis comme un peu là et pas là, un peu ailleurs. J'ai l'impression que c'est un mauvais rêve, qu'on va tous se réveiller à un moment et que en fait, c'est un truc de film, hein, de science-fiction qu'on est en train de vivre. Je ne veux pas y croire, je suis dans le déni. Non, ça, c'est... Ça arrivera aux autres, mais pas à moi. Voilà. Donc, toutes les formes de déni, de minimisation, hein, c'est des conneries tout ça, ou au contraire, hein, de maximisation des humeurs et des émotions. Je peux aussi me sentir comme un peu robotique, un peu mécanique. Je vais au boulot parce qu'il faut aller au boulot, mais je perds un peu mon entrain, mon envie. Je me sens triste, je me sens comme un peu à côté de moi-même, en fait. Je ne me reconnais pas. Donc, ces manifestations physiologiques et psychologiques, pour le coup, s'appellent donc la dissociation. Et c'est une réaction de survie, de sauvegarde extrême face à un stress chronique. Peut-être pour prendre une dernière métaphore, je vais vous parler de la fenêtre de tolérance émotionnelle dont Gwenaëlle vous a parlé tout à l'heure. Nous avons tous ce qu'on appelle une fenêtre de tolérance émotionnelle, c'est-à-dire comme une zone de self-control, dit autrement. Vous savez, une espèce de zone à l'intérieur de nous où nous vivons des émotions, qui sont bien normales, hein, on est des êtres humains, nous vivons des émotions, mais tant qu'on reste dans notre zone de self-control, dans notre fenêtre de tolérance émotionnelle, eh bien, j'arrive à minima à me contrôler. Alors, bien sûr, je peux être agacée, en colère, mais je ne vais pas péter les plombs, hein, parce que là, je sortirai de ma zone de confort, hein, je sortirai de ma fenêtre de tolérance émotionnelle. Donc, en gros, nous avons tous cette zone dans laquelle nos émotions évoluent au fur et à mesure du temps, et c'est bien normal par rapport à ce qu'on vit. Mais il y a des moments, des situations, des éléments qui vont nous faire sortir de notre zone de fenêtre, de notre zone de confort, de notre zone de tolérance émotionnelle. Quand je sors par le haut de ma fenêtre de tolérance émotionnelle, on appelle ça l'hyperactivation physiologique, ça veut dire que mon corps, il s'emballe en fait.
Hein, donc, à ce moment-là, je ne suis plus consciente et je maîtrise plus ce que je fais, mais je vais hurler sur mes gamins ou sur mon mari, je vais m'agacer, je vais faire n'importe quoi. Ça active vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, le système de combat ou de fuite, hein, et je suis vraiment dans une réaction biologique parce que je suis sous stress très, très intense. Rassurez-vous, à un moment donné, quoi qu'on fasse d'ailleurs, je vais revenir dans ma zone de confort, dans ma zone de self-control, dans ma fenêtre de tolérance émotionnelle, c'est-à-dire que je vais retrouver mes esprits, je vais me calmer. Mais si je peux éviter de sortir trop et revenir plus rapidement possible, c'est toujours mieux. On va le voir dans la troisième partie sur comment faire justement pour s'apaiser. Et il y a aussi des personnes, mais aussi, on peut aussi faire les deux, hein, mais quand on sort de la fenêtre de tolérance émotionnelle par le bas, cette fois, hein, c'est-à-dire qu'on est en hypoactivation physiologique, c'est là où on se dissocie, hein, ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire qu'à des moments, j'ai une situation qui va tellement être, qui va déclencher des réactions à l'intérieur de moi, tellement fortes que je vais me couper de moi-même. Hein, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a eu tellement de stress, ou ça fait tellement longtemps que ça dure, que physiologiquement et psychiquement, je n'arrive plus à faire face, tout simplement. C'est pour ça que comme nous sommes dans une situation qui dure depuis maintenant 6 mois, donc ça dure longtemps, ce qui doit arriver, bah, arrive, hein, et c'est des réactions biologiques normales, notre système physiologique s'épuise. C'est-à-dire que vous avez peut-être remarqué que depuis peut-être quelques semaines, voire quelques mois, vous êtes plus colérique qu'avant, vous surréagissez alors que ça ne vous ressemble pas, vous êtes plus émotif par rapport à d'habitude, ou vous vous sentez comme coupé, voilà, il y a vraiment un sentiment d'étrangeté qui va grandir avec le temps. Parce que justement, nous sommes épuisés, nos systèmes, notre système nerveux et notre corps s'épuisent progressivement à cause du stress intense. Alors, ce qui est selon moi super important, c'est de se dire, déjà d'essayer de ne pas se juger, de ne pas se juger dans nos réactions, même si on peut des fois les regretter, nous avons des réactions qui sont, je dirais, des réactions normales par rapport à cette situation anormale qu'on vit et qui se chronicise, hein, qui dure depuis longtemps. D'ailleurs, juste un petit mot par rapport à la colère. Hein, alors, moi, depuis que j'ai repris là en septembre le travail, je vois de plus en plus de personnes qui viennent ou qui m'appellent même pour me faire part de crises de colère qu'ils ont eux-mêmes, mais aussi chez les enfants, hein, des enfants qui ne peuvent plus dormir, qui sont sous tension, qui pètent les plombs, etc. Donc, selon moi, ce qu'on appelle colère, hein, à ce niveau-là, peut être plutôt une crise de stress, hein, c'est-à-dire qu'il y a tellement de stress à l'intérieur du corps que le corps, ben, il fait comme il peut pour évacuer ce stress. Et le fait de crier, de taper, de jeter, de mordre, hein, pour les enfants, hein, ou pour les adultes peut-être, mais en tout cas, ce sont des réactions instinctives, hein, pour libérer ce stress. Voilà, donc je parlerai, comme je vous disais, plus samedi prochain à 10h, hein, selon le même format. Je referai un webinaire concernant l'approche avec les enfants, l'école et surtout comment aider nos enfants et nous-mêmes, bien sûr, à gérer ces situations. Et donc, peut-être pour terminer cette deuxième partie sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce que j'ai envie de dire, c'est, bon, si vous avez compris, hein, ce que j'ai un peu raconté là, c'est-à-dire l'impact du stress au niveau de notre cerveau, que la situation qui se chronicise, ben, génère tellement de stress que notre cerveau, à un moment donné, il disjoncte, hein, il bug et qui fait qu'on est dissocié. C'est aussi pour ça, c'est parce que je pense qu'on est dissocié, on est très coupé de nous-mêmes, qu'on n'arrive pas trop à réfléchir, à avoir une opinion peut-être, ou à trouver de la nuance, hein, à trouver de la nuance, à agir ou à réagir, à parler. Hein, parce que quand on est dissocié, on n'a plus accès à toutes nos fonctions cognitives, hein, nos fonctions supérieures. C'est comme si c'était débranché, hein, le câble était débranché. Donc, ce qui va être extrêmement important, c'est de pouvoir avoir ce petit regard sur vous-même en disant, OK, comment c'est à l'intérieur de moi depuis ces dernières semaines ou ces derniers mois? Qu'est-ce que je remarque qui ne me ressemble pas? Qu'est-ce qui m'inquiète éventuellement? Qu'est-ce qui me questionne? Hein, tiens, bah peut-être que ces émotions à outrance ou ces réactions physiologiques qui ne me ressemblent pas, c'est peut-être tout simplement des réactions normales par rapport au stress intense qu'on vit.
Donc, est-ce que j'ai des problèmes pour dormir? Est-ce que j'ai des émotions qui débordent? Ou au contraire, est-ce que j'ai aucune émotion? Donc ça, c'est tout à fait normal et en lien avec tout ce que je viens de vous développer. Donc, ne Ok. pas vous juger, ne pas vous culpabiliser surtout. Donc peut-être maintenant on peut, qu'on a fait ces constats, on va voir ensemble ce qu'on peut faire hein, concrètement. Donc peut-être Yana, tu peux enchaîner sur bah, justement, est-ce qu'il y a des méthodes pour mieux réguler ces émotions? Heureusement qu'il y en a. Il y en a beaucoup. Il faut juste les connaître et surtout, au-delà des méthodes, il faut savoir pourquoi on les fait. Hein, parce que je crois qu'avoir des méthodes ou appliquer ce que le voisin va nous dire de faire sans comprendre pourquoi on le fait, c'est, bah, ça ne va pas être efficace ou au mieux, on le fait pour lui faire plaisir. Donc, si vous voulez comprendre finalement ce que je viens de vous dire, vous avez bien compris que tout ce qui se passe, c'est avant tout biologique et physiologique. Donc, les principales méthodes, enfin, les premières méthodes en tout cas que je vais dont je vais vous parler très brièvement, hein, après, on va vous encourager, si certaines d'entre elles vous parlent, de pouvoir aller à la pêche aux informations sur Internet, vous trouverez plein d'informations. Mais ce sont des techniques d'autorégulation émotionnelle. Alors, vous en connaissez peut-être déjà, vous faites déjà peut-être des choses quand vous avez une émotion forte. Hein. Donc, si vous faites déjà des choses qui fonctionnent, ben, j'ai envie de vous dire, continuez à les faire surtout, et faites-en d'autant plus parce que la situation est chronique. Hein. Donc, utilisez ce qui vous fait déjà du bien. Donc, l'idée, c'est d'apprendre à apaiser son corps pour justement revenir dans sa fenêtre de tolérance émotionnelle et l'élargir. Hein, parce qu'avec le temps, notre fenêtre de tolérance s'est rétrécie. Donc, il va falloir qu'on l'élargisse de nouveau pour mieux vivre le stress, mieux vivre les émotions. Donc, pour ça, plusieurs idées. Bah, déjà, tout ce qui est technique de respiration. La respiration, c'est vraiment, je dirais, le point d'orgue qui permet à notre corps de s'apaiser. Alors, vous allez me dire, bah oui, c'est bien beau, mais pour le moment, avec l'histoire des masques, ce qui est surtout empêché, c'est de respirer. Et pourtant ce qu'il faut absolument faire, en fait. Hein. Donc, dès que vous le pouvez, retirez le masque. Hein. Dès que vous pouvez respirer à plein poumon, apprenez à faire des respirations par le nez. Hein, il y a beaucoup de personnes qui respirent par la bouche, mais du coup, par la bouche, on prend beaucoup moins d'oxygène qu'une respiration vraiment profonde par le nez. Donc, vraiment, de respirer le plus possible. Alors, il y a des techniques qui s'appellent la cohérence cardiaque. Hein, c'est une technique que beaucoup de personnes connaissent maintenant parce qu'elle est très utile pour justement calmer le stress. Donc, la cohérence cardiaque, c'est un guide respiratoire. Vous tapez cohérence cardiaque dans Google et vous allez trouver plein d'articles, plein de vidéos d'explications concernant cette méthode de respiration qui est extrêmement efficace justement pour calmer notre stress. Bien évidemment, tout ce qui est exercice de pleine conscience, de méditation, finalement, tous ces outils qui vont nous permettre de revenir dans l'ici et maintenant, dans notre corps, dans l'instant présent, bien en sécurité. Hein, ça va vraiment aider à calmer notre système nerveux qui, en ce moment, est bien éprouvé à se projeter sans arrêt de manière anxieuse, avoir peur, etc. Donc, tout ce qui est pleine conscience, lien dans la nature, enfin, Gwenaëlle, tu nous en parleras un peu plus tout à l'heure, hein, au niveau des actions. Ça va vraiment être aidant pour calmer notre système nerveux. Ce que j'appelle les exercices d'ancrage, ce sont vraiment des petites choses qui vont vous permettre de revenir dans votre corps. Hein. Par exemple, tout simplement, si là, face à la vidéo en train de m'écouter, je vous demande de bouger vos orteils dans vos chaussures, hein, de bouger vos pieds, vos orteils, de faire un mouvement d'agrippement. Ça, c'est un exercice d'ancrage, par exemple. Vous voyez, ça prend 3 secondes et demie. C'est juste pour revenir dans nos sensations corporelles ici et maintenant. Sentir le fauteuil sur lequel vous êtes assise, sentir le dossier, etc., etc. Donc, de revenir dans votre corps. Hein. Là où, comme je vous expliquais tout à l'heure, la dissociation nous expulse de notre corps. Tout ce qui est exercice d'orientation, hein, se réorienter dans l'environnement immédiat. Où est-ce que je suis maintenant? Je suis bien en sécurité chez moi. Hein, voilà. Donc, ça va être important pour nous aider à reprendre un peu notre conscience du moment présent. Et voilà, juste aussi l'EFT, hein, on est formés toutes les deux avec Gwenaëlle en EFT. L'EFT, c'est une technique de régulation émotionnelle. Pareil, vous trouverez plein de choses sur Internet. C'est une technique qui permet d'aider grâce
à activer des points d'acupuncture, hein, pour se libérer des émotions négatives ou inconfortables plutôt. Voilà, donc toutes ces techniques d'autorégulation émotionnelle, c'en est certaine, peut-être que vous en connaissez d'autres, c'est vraiment important pour justement calmer votre stress, calmer votre cortisol, hein, faire baisser le niveau de cortisol, calmer l'amygdale cérébrale et élargir votre fenêtre de tolérance. Voilà, Gonelle, ce que j'avais envie de dire sur les techniques de régulation. Ok, donc je vais enchaîner sur autre chose qui peut grandement nous aider, c'est l'action. Hein, l'action, donc sortir de cet état de figement ou d'inquiétude, hein, sans parler même de figement, d'inquiétude, ça va se faire aussi par l'action, hein, parce que ça remet encore donc, en mouvement notre corps et puis notre psyché. Ça remet aussi en route la pensée, le sens critique, le discernement. Hein, et ça, je pense que c'est important aussi aujourd'hui. Donc, le spectre de l'action, il est large. Hein, je vais juste donner quelques idées, mais chacun va trouver ce qui lui convient. Et la liste est sûrement très, très longue. Donc, bouger le corps, hein, comme vient de vous expliquer Johanna, le stress est dans le corps, donc bougez votre corps. C'est le moment de faire vraiment du sport, de s'y mettre, hein, ou d'en faire peut-être encore davantage. Moi, personnellement, je me suis mise au yoga pendant le confinement et je sais que je ne suis pas la seule. Ça me fait beaucoup de bien. C'est aussi aller se connecter à la nature, hein, se ressourcer auprès de la Pachamama, la terre-mère qui nous aide aussi. Agir, c'est aussi agir dans son périmètre avec sa famille d'abord, hein, s'occuper par exemple de ses enfants, notamment en cette rentrée qui est très particulière. Ça nous permet aussi de reprendre un petit peu de puissance, de pouvoir sur ce qu'on vit, hein. Moi, par exemple, pour la première fois de ma vie, je vais aller à une réunion de la Fédération des parents d'élèves cette semaine, parce que je sens que j'ai besoin d'agir et j'ai besoin aussi d'être présente pour mes gamins. Ça fait du sens pour moi. C'est aussi prendre soin des autres autour de soi. Moi, j'ai observé pendant le confinement qu'il y avait eu des grands mouvements de solidarité, notamment dans les voisinages. Moi, je vis dans un petit coin où il y a des personnes, globalement, de moyen âge plutôt élevé, et il y a eu énormément de solidarité pour les courses, pour des choses très pragmatiques. Et ça a aussi, je pense, aidé, parce qu'on faisait quelque chose, quoi. Tout ce qui va être aussi de l'ordre de s'informer, hein, d'analyser ce qui se passe, de regarder des vidéos, de lire, de réfléchir, peut-être d'écrire. Écrire, c'est aussi une action qu'on connaît, hein, bien en thérapie. Ça permet de mettre nos pensées à l'extérieur de nous, du coup de prendre du recul et d'y voir plus clair. Donc, je pense que c'est quelque chose aussi qui peut aider. Tout ce qui est aussi de l'ordre de la joie, hein, remettre un peu de joie, notamment par le mouvement du corps. Donc, c'est le moment jamais de vous mettre à danser dans votre salon, ou mieux ailleurs, de chanter, de rire, d'être aussi, d'aller chercher aussi des expériences positives. On a vraiment besoin de ça. Et on a bien senti d'ailleurs après le confinement comment on avait soif de se retrouver, de parler d'autres choses que du Covid, de faire des blagues. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, c'est très clair. Hein, on voit aussi régulièrement des posts qui visent juste à mettre de la légèreté, du fun, des choses qui nous permettent d'abaisser notre anxiété. C'est le moment aussi de bien choisir ses lectures, je pense, hein, de pas non plus être tout le temps dedans en termes de lecture, hein, de ressortir des lectures qui font du bien, hein, des choses positives qui nourrissent l'esprit et puis aussi au niveau spirituel pour ceux à qui ça parle. Si vous avez des opinions, moi j'ai envie de vous dire, explorez-les, réfléchissez-y, approfondissez-les et puis manifestez-les. Un moment. Hein. Alors, je sais que ce n'est pas si simple, parce qu'il y a cette peur du jugement qui est là. Mais moi, j'observe que quand on commence à dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, les paroles, les langues se délient autour. Et j'ai beaucoup, beaucoup observé ça, moi, que ça fait du bien à plein de gens aussi. Ça fait aussi du collectif. Mais surtout, ça fait du bien à soi, hein, de enfin pouvoir un peu dire ce qui nous turlupine ou ce qu'on a analysé. Voilà, et puis si vous avez des opinions qui sont encore plus nettes, ben pourquoi pas les manifester encore plus clairement. Le mieux, selon moi, c'est de le faire au sein d'un collectif, hein, éventuellement faire des actions, des choses comme ça. Puisque, à nouveau, là, on reprend la main sur une situation où nous ne l'avons plus et depuis des mois.
vont donc, selon nos compétences, hein, selon notre champ de possible. Moi, j'invite les artistes à déployer leur art. On en a besoin. Hein, on a besoin de l'art depuis toujours, depuis le début de l'humanité, parce que ça nous remplit de positif. Et puis, l'art est aussi une manière d'exprimer les émotions qui est excellente, évidemment. J'invite voilà, les intellectuels à penser, à faire part de leur... du fruit de leur réflexion et tout à chacun devrait selon ce qu'il sait faire. Et puis enfin, pour conclure sur cette petite partie sur l'action, ce qui me semble aussi essentiel, c'est de retrouver une cohérence. Alors on a vu, il y a tellement d'incohérences depuis le début, ça nous met dans une confusion très forte, ça nous crée des dissociations internes, hein, on peut penser quelque chose et agir autrement, et ça c'est compliqué, c'est très difficile. Donc, voir comment est-ce qu'on peut retrouver une cohérence entre nos pensées, nos paroles et nos actions. Hein, même à minima, parce qu'il y a des choses parfois qui nous sont tellement imposées qu'on peut pas, on n'est pas libre à certains endroits. Hein. Mais il y a des petites choses qu'on peut faire qui nous permettent de retrouver une cohérence interne. Voilà, donc ça, il y aurait beaucoup à dire sur la dissonance cognitive, qui est un phénomène hein, en psychologie cognitive qu'on connaît bien. Et qui est très éprouvé en ce moment. Donc, si vous pouvez retrouver un minimum de cohérence, ça va vous aider, vous allez voir. Voilà. Super, merci Gwenaëlle. Donc, encore voilà, une autre petite idée, et ensuite tu concluras avec la dernière. Donc, moi, j'avais envie juste de dire un mot sur l'importance, et j'ai envie de dire même le côté primordial, de retrouver du lien social, du lien à l'autre. Hein. Tu viens d'un petit peu d'en parler. Hein. À partir du moment où on a été déconfiné, on a eu besoin de se voir, on a eu besoin de partager des moments, etc. Et de prendre soin de ce lien. Hein. Je crois que... Et c'est ce qui s'est passé dans toutes les épreuves que notre humanité a déjà connues, hein, le lien de cœur à cœur, le lien d'être humain à être humain, c'est ça qui va nous permettre de traverser cette épreuve et pour en sortir hein, plus fort et plus grandi. Parce qu'on a bien vu hein, tout au long de cet exposé à quel point la peur d'être jugé, la peur de ne pas être compris, la peur de plus reconnaître hein, quand on a des émotions tellement fortes ou au contraire plus d'émotions, c'est-à-dire va générer un sentiment de solitude en fait hein, à un moment donné, et moi je l'entends beaucoup dans mes consultations, j'ai l'impression de ne pas être compris, d'être seule au monde, j'arrive pas à être entendue, à chaque fois que j'ouvre la bouche on me dit qu'il faut que je me taise ou après, enfin voilà, il y a des choses vraiment qui isolent certaines personnes, et bien sûr la solitude majeure le stress. Hein. On est des êtres sociaux et plus on va se sentir isolé, exclu, plus ça va augmenter notre niveau de stress et du coup toutes les conséquences biologiques dont je vous ai parlé tout à l'heure au niveau du stress. Donc l'idée, c'est vraiment de rompre ce cercle vicieux en s'appelant, en se voyant, en se touchant, hein, si on peut, en se regardant dans les yeux. Je crois que ce fameux masque hein, nous oblige à le contourner et d'aller vraiment se regarder, essayer de déceler ce qu'on perçoit chez l'autre à travers les yeux. Parler de ses émotions sans culpabiliser, donc déjà pour le faire dans de bonnes conditions, aller parler à des gens en qui vous avez confiance, vous savez que vous n'allez pas être jugé, etc. Mais c'est normal d'avoir des émotions et c'est important de pouvoir les partager parce que plus vous allez pouvoir les partager, plus ça va calmer votre niveau de stress. Hein. Et donc pour terminer, au niveau biologique, hein, le lien social, le lien à l'autre génère de l'empathie. Hein. Je suis empathique vis-à-vis de l'autre par rapport à ce que l'autre vit. Je suis aussi empathique vis-à-vis de moi-même. Hein. J'ai de l'auto-empathie, hein, je ne me juge pas. Et bien ça va provoquer un déferlement d'ocytocine dans notre corps. Et l'ocytocine, c'est la fameuse hormone de l'attachement, hormone du lien. Et je terminerai là-dessus, quand on a de l'ocytocine à l'intérieur de notre corps, et bien du coup, ça fait baisser le niveau de cortisol, l'hormone du stress. Donc, plus vous allez être en lien, plus vous allez vous exprimer, plus vous allez être dans quelque chose de reliance à l'autre, plus ça va aider votre cortisol et votre stress à s'apaiser. Voilà. Mmh. Et d'ailleurs, là, je crois que toutes les deux, on doit avoir, au niveau de notre dosage d'ocytocine, on doit être pas mal ce webinaire. Hein, qui nous permet déjà d'être toutes les deux, hein, ça nous fait du bien, on se soutient grandement avec Johanna depuis des années maintenant,
Et puis d'être en lien avec vous, hein, et de sentir qu'il y a des choses qui se passent, même à travers un ordinateur, c'est hyper précieux. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a, juste pour la petite histoire, donné l'idée de ce webinaire. Hein, parce qu'un jour, toutes les deux, dans nos lits respectifs, je pense qu'il devait être 2h du matin, on ne dormait pas et on était sur nos téléphones et tiens, on voyait que l'autre était connecté. Donc, on s'est appelé, hein, on a discuté longuement cette fameuse nuit en disant « je ne suis pas bien, je suis stressée, je n'arrive pas à dormir, je cogite ». Etc. Et ça, enfin, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de te parler, de libérer un peu ce que j'avais sur le cœur et tout ça. Et l'idée de partager ça, et ça, c'est important. Vraiment important. Ouais. Et puis d'agir, hein, c'est de là où on s'est dit, moi, j'étais beaucoup dans l'impuissance et dans l'énervement. J'avais beaucoup de colère et de rage, ouais. Même, hein, de dire, mais j'ai l'impression que je ne fais rien, il faut que je fasse quelque chose, ça va du tout. Et puis du coup, est née cette idée de, voilà, de faire ce webinaire et on a beaucoup mieux dormi après. Hein, exactement, tout à fait. Bon, et puis alors, je vais vraiment, là, pour le coup, conclure sur l'exposé. Avant de vous laisser la parole pour les questions, hein, n'hésitez pas à les écrire déjà dans le chat, d'ailleurs. Avec un petit mot sur le sens, hein. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des enjeux existentiels. Donc, selon Irving Yalom, qui est un psychiatre américain qui m'inspire beaucoup, hein, ceux qui me connaissent entendent tout le temps parler d'Irving Yalom. Donc, à nouveau, je parle d'Irving Yalom. Il définit quatre enjeux existentiels ou quatre peurs existentielles. Donc, je vous en ai déjà cité deux, hein. Il y a la mort, il y a la perte de liberté. Il y a aussi l'isolement et la perte des contacts. Et puis, enfin, il y a la perte de sens, en fait, l'absence de sens dans nos vies. Et ça, c'est quelque chose qui est bien présent en ce moment. Hein. On vit une époque où notre, comme je dis tout à l'heure, notre vision du monde et de l'avenir est fortement bouleversée, hein, en tout cas pour une partie d'entre nous. Et donc, ça vient agir sur cette partie fondamentale à l'intérieur de nous qui a du mal à vivre quand le monde dans lequel je suis n'a plus de sens, ou plus autant de sens, pas suffisamment de sens. Il y a notamment Viktor Frankl, c'est un psychiatre autrichien qui a beaucoup parlé de ça. Donc, Viktor Frankl, c'est un homme qui a survécu au camp de concentration et qui a donc relaté son expérience dans des livres. Et notamment, il a fait une forme de thérapie qu'on appelle la logothérapie, qui veut dire la thérapie par le sens. Et Frankl explique très bien, comme d'autres personnes qui ont survécu au camp, que sans le sens, il n'aurait pas survécu. Hein, il ne serait jamais sorti des camps, il n'aurait jamais pu témoigner. Et le sens qu'y mettait Frankl, c'était notamment l'entraide. Hein. Et ce qu'il a observé d'ailleurs, c'est que ceux qui survivaient à l'époque dans ces camps, ce n'étaient pas les plus costauds physiquement. C'était d'ailleurs même, selon son observation, ceux qui partaient le plus vite. Ceux qui restaient, c'était parfois des personnes plutôt chétives, mais qui avaient une grande force mentale et surtout qui mettaient du sens sur cette expérience, hein, évidemment abominable. Il y aurait d'autres exemples à citer, on peut parler de Mandela aussi, hein, 27 ans dans une geôle, hein, perte de liberté totale, et qui a mis du sens chaque jour sur son emprisonnement. Donc c'est des parallèles que je fais qui sont peut-être un peu forts, mais c'est aussi pour illustrer mon propos qu'il est essentiel de remettre du sens. Ça peut être à tout petit niveau comme à grand niveau, hein, c'est-à-dire que déjà par exemple agir pour ses gamins, faire en sorte que cette rentrée, ça se passe le mieux possible, c'est déjà, hein, mettre beaucoup de sens, hein, sur ce qui se passe, et Johanna en parlera plus samedi prochain. Mais ça peut être beaucoup plus pour mettre du sens. Moi, de ce que je lis, je sens que des gens, une certaine partie de la population la met du sens en voyant cette épreuve comme un passage obligé vers une nouvelle ère, une nouvelle façon de vivre où l'argent ne serait plus le roi de tout, ne serait plus au centre de tout, et on pourrait enfin aller vers une nouvelle époque, une nouvelle ère pour l'humanité, vers des valeurs plus humanistes, d'entraide, de solidarité, hein, de respect de l'humain. Donc, voir effectivement ce qu'on vit comme un passage, certes dur, mais obligé pour aller vers du meilleur, évidemment, ça va aider. Hein, ça va aider dans les moments où on perd pied. Et puis certains vont encore plus loin avec une vision spirituelle qui est proche de ce que je viens de dire, mais qui est peut-être encore plus vaste et qui permet, en s'appuyant sur nos croyances spirituelles, je trouve, hein, de trouver encore plus de force
et de la force pour agir aussi, pour manifester par exemple ses opinions et faire des petites choses à notre niveau. Voilà, je n'irai pas plus loin là-dessus parce qu'il y aurait beaucoup à en dire, mais on va plutôt écouter vos questions ou plutôt les lire. Et je voulais juste terminer par une citation que j'ai lue donc en préparant ce webinaire d'un médecin qui est chercheur aussi, qui s'appelle Guillaume Lemonde et qui, à propos de la crise du Covid, nous dit la chose suivante. Si nous nous comportons comme des machines soumises à la peur, nous verrons des risques et des dangers partout. Si nous sommes ouverts à la vie, nous verrons que cette époque est l'ombre portée d'une lumière qui se lève, celle d'un éveil à l'essentiel. Voilà, donc belle synchronicité. Je suis tombée là-dessus il y a quelques jours et je me suis dit que j'allais la partager avec vous puisque, hein, en substance, elle porte le message qu'on avait envie de transmettre aujourd'hui. Et surtout du prendre soin de soi, en fait. Hein. Ça, c'est le mot d'ordre, je crois. Comprendre ce qui se passe, prendre soin de nous. Voilà, comme tu le disais si bien, hein, agir à notre petit niveau, hein, faire notre petit travail de colibri, c'est déjà important pour nous et de ce qu'on transmet à ceux qui nous observent, ceux qui nous imitent, hein, je pense aux enfants, mais pas que, je pense aussi aux amis, je pense aussi aux collègues, etc., à nos patients, enfin, bref, quel que soit finalement notre petit niveau, c'est comme ça qu'on va faire des grands pas, en fait. Hein. Voilà. Absolument, et j'ai envie de dire, c'est le moment ou jamais de faire la fête des voisins. Exact. Ah, je dis ça parce que moi je l'organise samedi prochain chez moi et j'avoue quand je fais un mail il y a quelques semaines pour inviter mes voisins, on le fait toujours fin août depuis septembre, j'avais une certaine fébrilité, je me disais comment vont-ils réagir parce que je sais que certains sont anxieux et en fait j'étais super contente puisque tout le monde a répondu positivement et alors que toutes les années on n'a pas forcément tout le monde là. Hein, on aura tout le monde et ça montre en fait que malgré les peurs, malgré les craintes, hein, en plus, surtout des personnes voilà, plus âgées autour de moi, eh ben, les gens sont au rendez-vous. Donc ça montre qu'on a besoin de se retrouver, hein, même si c'est en respectant la distanciation, puisque pour certains c'est vraiment important, eh ben, retrouvons-nous quand même. Quoi, hein, c'est ça qui va aussi nous aider grandement. Super, bon. Alors, c'est le moment des questions. Donc, si vous avez des questions... On a surtout des merci, là. Ouais. On a des câlins. On a de l'ocytocine qui arrive de Michel et Nathanaël. Merci. Moi, je vous en envoie plein aussi et à tout le monde, d'ailleurs. on a des merci. Merci pour vos merci. Voilà. N'hésitez pas à nous... Ben, alors, ça peut être des questions, mais ça peut être des réflexions. Ça peut être de... Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Avec quoi vous repartez ? Moi, c'est ça aussi que je pourrais vous demander. Avec quoi vous repartez ? Est-ce qu'il y a au moins juste une chose que vous gardez ? Là, ça pourrait être intéressant de savoir ce qui vous a particulièrement parlé. Oui, on est aussi preneuse, je pense, Johanna, de si certains ont des choses qui les aident, hein, qui les ont beaucoup aidées, bah, ça peut être vraiment chouette de partager. Oui, exactement. Ouais. Vos feedbacks, vos retours d'expérience, des choses que vous faites qui vous font du bien. Donc voilà, on est un peu comme dans un... On met en commun ce qui nous fait du bien, donc n'hésitez pas. Alors oui, on a oublié de le dire, mais ce webinaire sera en rediffusion, hein, donc sur cette même chaîne YouTube, vous pourrez retrouver la vidéo si vous devez partir là. On va rester encore un petit moment, mais voilà. Et puis si vous voulez transmettre le lien de la vidéo auprès de personnes... qui vous pensez que ça pourrait être utile, bah, n'hésitez pas surtout. Oui, donc il y a Isabelle hein, qui nous dit qu'elle trouve très perturbant le fait que les gens portent des masques, le sentiment de ne plus être en contact avec les gens comme avant, cela isole, cela crée un manque en termes d'humanité. Évidemment, Isabelle, hein, on est toutes les deux d'accord avec toi. Oui. C'est très compliqué, cette histoire de masque, on ne peut pas dire autre chose. Pour certains, c'est rassurant. Hein. Pour certains, c'est quelque chose qui est une bonne chose parce que ça diminue leur stress. Et puis, pour d'autres, c'est l'inverse. Donc là, je pense que c'est à chacun d'arriver à trouver un modus vivendi avec soi-même, on va dire. Et ce n'est pas parce qu'il y a un masque qu'on ne peut pas arriver à connecter avec les gens. Hein. Moi, à l'hôpital, on a des patients qui sont très vulnérables parce que je travaille en psychiatrie. Je trouve que c'est vachement difficile d'avoir la moitié du visage en moins. Hein. Ça m'empêche de faire des sourires quand je passe dans le couloir auprès des patients.
ça m'empêche de passer beaucoup de choses. Donc, moi, très honnêtement, ça m'est extrêmement difficile de bosser avec des masques sur mon lieu de travail. Donc, je fais comme je peux, quoi. Je fais comme je peux. J'essaye de passer les choses autrement. Pour être claire aussi, parfois, je fais quelques entorses au protocole. Parce qu'il se passe aussi des choses qui parfois sont tellement subtiles dans un sourire, dans un mouvement de visage, que parfois je mets ma propre priorité en fait, sur ces messages paraverbaux. Il faut savoir quand même que 97% de la communication non-verbale passe par le ton de la voix et l'expression du corps et du visage. Donc forcément, là, il y a énormément de choses qui sont diminuées. Et les yeux et la bouche, en fait, c'est vraiment les deux... Ouais. Partie du visage qu'on a besoin d'avoir en totalité pour lire une émotion. Hein. Moi, je rêverais que chaque réunion dans les entreprises ou chaque classe dans nos écoles démarre par 5 secondes où on se met debout en cercle et on baisse les masques et on se regarde juste, on ne parle pas. Voilà, et après on le remet, mais juste pour avoir cette vision globale du visage, en fait. Ça, c'est extrêmement important quand on le peut. Et donc, bien sûr que c'est très perturbant de ne pas voir la totalité du visage. Ouais. Ou alors de se balader avec des... Il y en a qui se baladent avec des pancartes, avec les visages en entier. Je pense aux instits qui ont eu ces idées dans les écoles. Elles se baladent avec un collier, avec leurs photos en entier, avec différentes émotions, pour voir à quoi elles ressemblent derrière leur... Ouais. Mais c'est sûr que ça pose question. Moi, je suis surtout inquiète sur la temporalité à nouveau. Parce que on peut s'adapter à beaucoup de choses, mais il y a une limite dans la durée qui fait qu'au-delà d'un certain temps, ça va être compliqué. Alors, ce que vous gardez, c'est le stress qui est une réaction normale, que la dissociation, c'est un mécanisme de protection, oui, tout à fait, face à un stress intense. Nathanaël, tu retiens que la cohérence interne est l'action, exact, de retrouver cette cohérence. Mes ados voient un avantage par rapport à l'acné, dit Manon. Ah, j'adore. Voilà, vous trouvons aussi des avantages. Moi, je me suis surprise en questionnant mes enfants quand ils revenaient de l'école. Est-ce que c'est pas trop... Je me suis surprise de la tonalité de mes questions. Ça va, c'est pas trop dur, t'as pas trop chaud. Donc, faites attention à ce que vous induisez aussi dans vos questions. Je reviendrai samedi prochain sur l'histoire des écoles et tout ça, mais même entre collègues ou entre amis, parce que les enfants peuvent y voir une protection contre l'acné, par exemple, ou autre. Je crois que ça nous amène à faire plus attention, comme je disais tout à l'heure, au regard, à l'importance d'exprimer nos émotions, d'apaiser notre corps. Ça, c'est important, finalement. Nous, on œuvre pour ça depuis longtemps, mais je crois que les gens prennent d'autant plus conscience de l'importance de prendre soin de tout ça. Et il y a Laetitia qui nous dit qu'elle parle du sens, en fait. Qui nous dit, je pense que chaque événement a un sens, et quelle que soit la difficulté de la traverser, je suis convaincue que c'est pour un avenir meilleur. Là, j'ai envie de mettre un petit mot un peu personnel par rapport à la spiritualité. Moi, ce qui m'a beaucoup porté dans ma vie, en fait, c'est de voir comment avoir des croyances, quelles qu'elles soient. Ça aide, et c'est notamment mon grand-père qui m'a apporté ça, parce qu'il a eu une vie très difficile, une fin de vie très difficile aussi, mais il n'a jamais perdu la foi. Et pour moi, ça a été un exemple vraiment de... comment cette foi qu'il a toujours eue le réveiller chaque matin, en fait, pour affronter sa journée, la traverser malgré la souffrance physique et psychique. Et ça, c'est quelque chose qui est un précieux cadeau que tout le monde... ça ne parlera pas à tout le monde, mais je sais qu'il y a des gens qui ça parle. Donc pour moi, c'est un trésor, en fait, un beau joyau à faire vivre. Et en ce moment, il y a beaucoup à faire vivre autour de ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je garde le sens, mettre du sens. Peut-être, Johanna, ça peut être chouette de partager ce qui nous a aidé, nous, personnellement, depuis 6 mois. Mais moi, c'est toi qui m'as beaucoup aidé. Non, les partages, moi, personnellement, les partages avec les amis, dont tu fais bien sûr partie.
les partages aussi avec les personnes que je vois au cabinet, hein, dans mon travail, hein, nos partages de vécu, d'expérience. Et je crois que c'est important à un moment donné de, bah oui, de dire aussi que ça peut être difficile, qu'on en a marre, enfin, voilà, de partager en fait. C'est ça qui va faire baisser la charge émotionnelle. Donc moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est les partages. Moi, c'est le sport aussi. Je pense que je n'ai pas trop pété des plombs pendant le confinement, c'est grâce à ça. Je n'ai jamais autant fait de sport de ma vie. Et en même temps, c'est très bien. Je vais essayer de garder ces bonnes... Il y a beaucoup de gens qui ont été aidés par le sport. Hein. Oui, tout à fait. Et là, voilà, c'est très sain, hein, finalement, de pouvoir... Mais c'est la décharge physique, hein, comme tu l'expliquais. Hein, le stress se met dans le corps, donc à un moment, un des moyens, peut-être le plus rapide, c'est de bouger son corps. C'est de bouger, c'est de se lever, c'est de marcher même dans votre salon, ou c'est de faire quelque chose, c'est de se mettre en mouvement, quel que soit le mouvement, finalement. Hein, c'est surtout ça, l'important. Alors, absolument. Et moi, ce qui m'a aidé, bon, j'ai un petit peu dit, mais ce qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est le. Bon, moi, je me suis mise au yoga et je continue. C'est une bonne habitude qui devient, voilà, pas une addiction dans le là, mais en tout cas quelque chose qui m'aide beaucoup à me recentrer. Moi, ça m'aide à rassembler mes idées qui partent parfois un peu dans tous les sens. Donc, ça me rassemble. Ça permet aussi de travailler ma respiration, comme tu disais. Pour moi, la respiration, c'est l'axe, en fait, de base. C'est notre canal central sur lequel on peut ensuite s'appuyer. Quand la respiration est fluide, tout le reste, en général, se fluidifie aussi. Et moi, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est mon boulot, hein, clairement. Au début, c'était quand même un peu un mécanisme de défense, clairement. J'ai jamais autant travaillé, je pense, que sur le premier mois de confinement. Donc, c'était plutôt défensif, mais ça m'a aussi permis d'être dans quelque chose pour faire face, en fait. Et puis depuis, de mettre aussi du sens dans mon travail, hein, par exemple ce qu'on fait là, ensemble toutes les deux. Et puis comme toi, le lien, quoi, le lien, de retrouver le lien, que ce soit avec mes voisins, mes copines, mes collègues. Hein, ça, c'était très important. Pendant le confinement, on a été beaucoup en télétravail. Moi, j'ai choisi de faire un télétravail à mi-temps, c'est-à-dire que j'allais... un jour à l'hôpital et un jour je bossais de chez moi, hein, ce qui concerne mon travail au CHU. Et c'est très important pour moi d'aller au CHU une fois par semaine, hein, d'être physiquement présente dans le service, pour les autres, mais aussi avant tout pour moi, quoi, hein, pour voir les collègues, pour voir voilà, de l'humain, pour voir les patients, hein, pour sentir que la vie continuait aussi. Et j'ai observé que les personnes qui ont été vraiment confinées, c'est-à-dire qui ne sont pas sorties de chez eux, télétravail total, je pense que c'était plus compliqué au déconfinement pour reprendre un petit peu. Bah, toi, tu en as fait partie, Johanna. Oui, beaucoup travaillé de chez toi. Tout à fait. Il faut s'accorder du temps, effectivement, à reprendre le rythme. Les apéros Zoom, dit Laure, ouais, qui ont aidé. 80 personnes. Ah bah dis donc, oui, ok. Michel parle de la cohérence cardiaque, la nature, le jardinage, hein, tu en parlais, Gwenaëlle, hein, tout à l'heure, le rapport à la terre, hein, à la nature. Et en ça, moi, je suis contente que finalement, ce que cette épreuve nous amène à vivre, c'est un retour à l'essentiel. On en parle depuis tellement longtemps, on a tellement depuis longtemps l'impression d'aller dans le mur que c'est ça, je pense, qui peut en ressortir, en fait, hein, comme tout à l'heure, je disais, de pouvoir en ressortir plus fort. Hein, je pense que vraiment, ce retour à l'essentiel va être important. Et peut-être que ce qui me venait aussi en t'écoutant, c'est l'importance de prendre soin de soi pour aussi montrer l'exemple à nos enfants, en fait. Hein, parce que comme on sait que le stress est extrêmement contagieux, c'est important de déjà veiller sur soi, déjà prendre soin de nous-mêmes. Et c'est comme ça que nos enfants iront le mieux possible. Tout à fait. Bon. Et la peinture aussi, hein, on va citer la peinture. Hein, c'est Marion qui nous parle de la peinture. D'accord. Effectivement, je sais à quel point la peinture t'a aidé, Marion. Et ça, c'est. Ça fait partie, voilà, des actions. Et en plus, quand elles sont artistiques, je trouve que c'est encore plus chouette parce que par la peinture, mais c'est vrai aussi pour l'écriture, toutes les formes d'art. Il y a quelque chose dans la transmission, hein, comme je le disais tout à l'heure, qui permet aussi de contribuer au lien social qui nous est absolument indispensable. Et ce qui m'a aidé aussi à mon niveau, c'est de faire des webinaires, parce que j'en ai fait pas mal, que ce soit au niveau de l'école ou au niveau des pros, et ça m'a beaucoup aidé, voilà, à exprimer finalement mon point de vue, qui, ben voilà, qui reste le mien bien évidemment, mais à le partager avec d'autres et de débattre en fait, voilà, d'être dans ce partage-là. Super.
Super. Bon, eh ben on va bientôt du coup s'arrêter là, parce qu'on est déjà à 1h20 de conférence. Donc, un petit mot de conclusion, Yana? Un petit mot de conclusion. Eh Là, bien, je te j'ai. prends un cours, comme ça Oui, me laisse c'est le temps de ça. Ben oui, réfléchir au non, mais mien. bien C'est pas sûr, mal. j'aurais pu préparer ma conclusion quand même, c'est un moment important. Du coup, non, une conclusion improvisée. Ben, merci pour votre écoute. En fait, j'ai été ravie de partager ce moment avec toi, Gonelle, et ce moment avec vous. Faites confiance à ce que vous ressentez, faites ce dont vous avez besoin et ne restez pas seul. Prenez soin de vous, c'est ça hein, mon mot d'ordre. Voilà. Et moi, je conclurai après vous avoir remercié, toi, Johanna, ma grande amie, et puis tous ceux qui nous écoutent de ce bon moment. J'ai envie de conclure sur moi, ce qui peut-être résonne le plus pour moi en ce moment, c'est l'histoire du sens. Hein, quel est le sens de tout ça? Voilà, donc j'ai envie d'envoyer ça dans l'univers et dans les cœurs et les esprits de chacun. Super. Pour y trouver quelque chose qui nous porte. Même à nouveau, si c'est tout petit, c'est déjà énorme. Tout à fait. Super. Bon. Merci beaucoup. On a Merci. les Bon. merci et les Ouais. au revoir et les bonnes soirées. Okay. Eh bien, on va conclure. Enfin, on va couper Tu hein, vas le. éteindre? Tu vas On appuyer va sur le petit éteindre. bouton? Bah oui, j'ai Tu pas envie, es je suis bien là-bas? là en même temps. J'ai pas envie d'éteindre. On peut faire un apéro Zoom en fait maintenant. C'est ça, moment convivial. Hein, faisons un apéro. Non, on va arrêter, c'est dimanche. On a peut-être d'autres choses à faire aussi hein, pour Et puis tu repréparer les retrouves nos journées. samedi, toi, hein, tu vas en Moi, je vous retrouver. retrouve, oui, samedi. Je vais sur cette même chaîne, je serai en webinaire samedi de 10h à 11h. Le thème, je n'ai pas encore retrouvé de titre, mais l'idée, c'est la rentrée scolaire, ce que vivent nos enfants, ce qu'on vit en tant que parents et aussi ce que vivent bien évidemment les enseignants pour essayer de mieux vivre le mieux possible finalement, le moins difficilement possible cette rentrée qui est hautement importante. Donc voilà, si vous êtes intéressés, je vous retrouve dans ce même endroit samedi prochain à 10h. Voilà. Merci à vous. Et puis merci à toi, Gwenaëlle, et à bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.